Good morning, allez, Eden, les sucres aujourd'hui, les lunishmat, dov ben yudit, evadam ben chedva, chayester bat miriam, itrek peres ben fortuna, chay michael ben sultana. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions le Masechet Shabbat, perikud alet Mishnah bet, en osin hilmi be Shabbat, aval osehu et memelach, vetovel bahen pito, venoten letoch atavshil. Aval amar biyosi, ve alohu ilmi, ben merube ben muat. Velouhen memelach hamutarin, noten shemen batechila letoch hamaim ou letoch hamelach. On va parler dans notre Mishnah de l'interdit de faire une saumure et de comment saler les aliments. Quel rapport avec le reste du Pérec, avec tout le sujet en fait, je vous dis, Shabbat, tant bien que mal, il y avait une certaine structure dans le premier Prekim. Après, on a le Mishnah de Pérec Zayin, Mishnah Bet, on a eu les 39 travaux. Et du coup, c'est un petit peu chaotique, on a du mal à se repérer selon quel ordre la Mishnah décide de parler de Melachot. Il y a malgré tout au début de ce chapitre, je crois que c'était le Tiferet Israël qui expliquait qu'on est en train de reprendre cette fois-ci toutes les Melachot qui tournent autour de l'interdit de dégorger un animal. Or, une fois qu'on a fini de dégorger l'animal, eh bien on est mafshit, on dépasse l'animal, puis après on est me'abed à taureau. On travaille la peau. Plusieurs techniques, on mettait du sel et on mettait des matières fécales de chien, mais on les mettait par terre pour marcher dessus. Et du coup, de là va découler un interdit mais des rabanan de faire une saumure. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas le droit de faire des kvashim, ça s'appelle en hébreu, de faire des variantes, de prendre des légumes, de les laisser tremper dans du sel longtemps, dans une saumure. Et mieux que ça, la Mishnah va mentionner que même fabriquer de l'eau salée, on n'a pas le droit d'en faire en grande quantité, comme on découvre tout de suite. En osin hilmi be Shabbat. On n'aura pas le droit de faire une saumure à Shabbat. D'accord? On parle en grande quantité de quoi mettre, de nous laisser tremper pour quelques temps des légumes. On n'a pas le droit de faire pendant Shabbat. Aval osehu et memelach. Par contre, il a le droit de faire du démemelach, de l'eau salée. Le Barthénois nous explique qu'il en a le droit de faire un petit peu. Vetovel ben pito. De quoi tremper un petit peu son pain s'il veut, benoten et tochatavshil, ou bien en mettre un petit peu sur son plat. D'accord? Donc en fait, la Mishnah me dit, tu sais, à cause de l'interdit de me'abed, de travailler une peau, qui consiste en fait à mettre des produits pour ramollir les choses, pour les durcir, peu importe, d'accord, pour les faire macérer des choses, et de là on va déduire aussi qu'on n'a pas le droit de fabriquer une saumure, mais qu'en grande quantité, un petit peu d'eau salée, t'as le droit de le faire. La Mishnah continue en m'enseignant. Amar Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec ça. Il me dit, ça veut dire quoi là? J'ai un problème. Tu me dis que tu n'as pas le droit de faire une saumure, mais tu as le droit de faire une petite eau salée. C'est quoi la différence entre une saumure et entre de la saumure et de l'eau salée? Valohu ilmi ben merube ben muat. Ça s'appellera une saumure, de la saumure. Qu'il y en ait ben merube, ben muat. Qu'il en ait beaucoup, qu'il y en ait un peu. C'est quoi cette différence? Ça dépend combien t'en fais. Le Barthénois apporte, on a la Gemara. La morale dit quoi alors? Donc du coup, les gens ils vont déduire de là, ah, des grands travaux c'est interdit, mais des petits travaux c'est permis. Il y avait longtemps, vous savez, le sujet en Israël qui revient malheureusement tout le temps, c'est de faire mettre des transports publics pendant le Shabbat. Il y avait une fois un Khaver Knesset, un député, qui avait proposé, vous savez quoi, on va pas faire sortir des bus pendant le Shabbat, on va faire des petites camionnettes. Ouais, c'est quoi cette histoire? C'est un travail, c'est interdit, que ce soit beaucoup, que ce soit un peu, t'as pas le droit de porter une caisse dans la rue, t'as pas le droit de porter même une pépite dans la rue. D'accord? Lalo hu ilmi, c'est une saumure, qu'il en ait beaucoup, qu'il en ait peu, donc si c'est défendu, c'est défendu. Donc il faut pas faire comme ça. Ve'eluen memelach hamutarin, donc si toutefois tu veux faire une sorte de sauce salée permise à Shabbat, tu sais comment tu dois la faire? Noten shemen batechila, tu commenceras d'abord par mettre de l'huile. Letoch hamaim ou letoch hamelach? Soit dans l'eau, soit dans le sel. C'est-à-dire, en fait, le principe est simple, l'huile casse l'effet du sel. Ça lui brise le côté, la capacité de faire ce qu'on fait cuire, ce qu'on considère comme une cuisson, dans plein de halakhot dans la Torah aussi, de faire cuire dans le sel, de saler. Donc, pour lui casser sa force, alors on lui met de l'huile. Donc, soit tu mets l'huile dans l'eau avant de mettre le sel, soit tu mets l'huile dans le sel avant de le mettre dans l'eau. Mais tu ne mets pas l'eau et le sel, et puis après tu rajoutes ton huile. Et là, la chan n'est pas établie comme Rabbi aussi, mais comme Tanakama. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Salam.